Bonjour, bienvenue sur le quotidien de Bruno. Bonjour à tout le monde, regardez. Regardez ce que je vais faire. Je vais planter des thym. Des thym de Provence que j'ai mis, que j'ai acheté en paquet. Je vais les séparer. Regardez. Je vais en faire des belles mottes. Là, dans cette petite boîte, ils ont passé un hiver. Je les ai plantés l'année passée. À la même époque. Ils vont venir là. Agrémenter. Ici, voilà, pas plus, ça sert à rien d'en faire plus pour le thym, c'est du solide, le thym c'est solide, regardez, debout là, on va en mettre ailleurs aussi, il n'y a pas de raison, on peut en mettre ailleurs, on va en prendre une boule, regardez, hop, un morceau là, hop, un morceau là, allez, un bout là, un bout de thym là. Allez, on désherbe le chien dent. J'ai le chien dent qui est embêtant. Ici, aussi. Il m'embête beaucoup. Avec tous les jardiniers, ils ont des trucs qui les embêtent. Je sais bien, c'est pour vous dire. Regardez. Hop là. Un petit bout de thym là. Et c'est tout. Sans plus. Pas plus de boulot. Le thym, c'est un coriace. Hein? On va pas s'embêter plus. Le thym, c'est vraiment un costaud. On va peut-être même en mettre un bout là, après tout. Ici, deux beaux pieds, je vais les chercher, bougez pas. Ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai tout de suite mis les thym dans du terreau, dans du sable, regarde. C'est du sable chez moi. J'ai dit, je les mets tout de suite dans le même substrat que j'ai moi. Hein. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Pour mieux qu'ils s'adaptent, il faut mieux les mettre tout de suite dans la même chose. Regardez un peu, ça fait du beau thym. On va en mettre une boule là. Je vais en mettre un bout là, je vais vous montrer. C'est tout. On va les mettre là. Ouais, je désherbe ça. Pour pas qu'il y ait trop de plantes. Hein. Donc il rentre un montant. C'est du bon là. C'est du bon sol. Avec le temps. Regarde ça. C'est pas mal en face. J'ai dit ici, je mettrai du thym. Je me suis dit, ici c'est une zone à thym, oui. Commence. On va y couper. Je ne peux pas y garder. Oui. Ça sera ma zone à thym. Je ne peux pas garder ça. C'est impossible. C'est trop concurrentiel. La montagne. Je ne peux pas les garder. Elles ne vont pas avec le thym. C'est tout. Vous voyez? Je les enlève.
Voilà, il y en a même encore trop, hein. Je peux pas y laisser, c'est comme ça. Ça fait mal de pas laisser ça. C'est des belles plantes. J'en ai trop. J'en ai partout. Oui. Elles m'envahissent littéralement. Je peux pas les garder. Je peux pas tout garder. Malheureusement. Regardez, comme ça, c'est pas mal, je trouve. Ça, j'ai une étora plus tard. Hein. Le tout, c'est de vous montrer un peu hein, le boulot. La progression de mon travail. Voilà. Je vous montrer la progression. Que je vais faire. Je vais mettre une zone à teint. Enfin, une zone à teint. Ici, romarin, teint. Je peux pas les garder, l'autre. C'est tout, c'est comme ça. C'était gentil, elle était belle. Je vais les mettre ailleurs. Ça n'est pas pour autant mort. C'est ce qu'on a envie. Mais bon, il faut aussi savoir. Ouais. Cette zone, elle est trop sèche en été. Je peux rien planter presque. Elle est hyper sèche, vous voyez, il n'y a rien dessous. Moi, j'ai aggradé un peu, j'ai mis du terreau, tout ça. Ça reste toujours un peu sec. Alors moi, ce que je vais faire, vous voyez, comme ça, comme c'est sec, je vais mettre du thym. Voilà, je mets du thym. Et le thym, il va vivre là, au sec. Un peu sur le... Sur la murette, je ne sais pas si on y voit ce que je vous fais. Sur cette murette, il va vivre. Hein. Bien au soleil, implanté, au sec, tout en étant pas les pieds dans l'eau. Oui. Ça lui conviendra, pas mal. Et il va s'implanter tout doucement. Ça, on y enlèvera plus tard. Ça, j'y laisse au... plantable. Mais il sera plus tard ça. Je vais laisser ma plante ici. Mon plante tomate. Et oui, je peux profiter encore. Mon plante tomate. Là j'avais une pomme de terre aussi. C'est marrant. C'est formidable. C'est cool. C'était une. Je sais pas ce que c'est ça. On dirait une pomme de terre, mais je sais pas ça. Non. Ça. Ah, c'est un rigot. Un petit pot. Ah, mais les petits pots, ils ont des rouges. Si je comprends bien. Voilà. Ça y est, j'ai dérouillé mes petits pots. C'est dommage. Tant pis. On fera l'année prochaine. Si j'en ai pas. J'en aurai pas dans ce zone-là. Parce que je les aime assez. Faites attention. Et je vais en faire une là, une zone là. Ils seront mieux là, ils vont être au sec le teint. Il va m'avoir été au sec lui, regarde. C'est un peu humide. Enfin, un petit truc, à force. Je vous montre. Hein. Je fais un décaissage. Hein. Et là, il faut pas me dire qu'il va pas bien. Mon teint. Regardez ça. Pour du teint. C'est un emplacement idéal, je pense. Voilà. Vous voyez? Le tout maintenant, c'est de laisser comme ça, faire la vie, hein. Il fait sa vie. Il fait sa vie, gentiment. Comme ça. Il était un peu, hein, pas bien dans la boîte, ça. Et puis on peut en mettre un autre pied ailleurs, je sais pas. J'en ai encore un beau bout, regarde. Regardez, je sais pas où je peux le mettre. Je vais le mettre avec vous, j'aimerais vous le mettre, que vous puissiez voir l'évolution quand même. Je pourrais le mettre là peut-être, non? Encore un morceau là. Hein.
peut mettre un morceau là-bas, regarde. On met ça, un peu le terrain propice qu'il y a pour du thym. On va le mettre comme ça. Voilà. Allez, comme ça compte, regardez. S'il ne pousse pas là, il ne poussera jamais. Regardez, j'avais laissé de la laitue. À la pluie, c'est formidable. Elle n'a pas pourri. Elle était fermée. Ouais, je vais la reprendre. C'est impec. Je l'ai laissé depuis 15 jours au moins. Fermée comme ça, elle était. C'est des bons paquets, donc. Hein. Je ne veux pas leur faire de la pub, mais bon paquet. Et dedans, si vous voulez savoir en privé, je vous dis la marque que c'est. Hein. Parce que là, franchement, énorme. Hein. J'aurais pas pensé. À ce point, quand même, très bonne marque. Je peux en mettre un autre pied là. Je peux finir le pied là, regarde. Putain, j'ai ici. Putain, je vous montre. Je vais finir d'abord, regardez. Ici. Ah, c'est bon. Je pense que là, on a fait le beau boulot. Une belle partie comme de la saison. Hein. On est d'accord. Une belle partie. Ah, faut que je désherbe après ça, oui. Toute cette merde. Faut que je désherbe. Là, voilà, je vais vous montrer en bas maintenant avec une autre caissette que j'ai débarrassée. À plus dans une autre vidéo.